L'Afrique du Sud accueille la conférence de l'ONU contre le racisme. À l'ordre du jour, l'esclavage vécu pendant des siècles par les pays africains. Autre sujet abordé, le Proche-Orient. Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, a réclamé le soutien des chefs d'État présents. Le commentaire de Julien Colombani. À Durban, Israéliens et Palestiniens face à face. La polémique attendue sur le Proche-Orient est venue marquer l'ouverture du sommet. Les pays arabes les plus durs voulant assimiler le sionisme au racisme. Yasser Arafat est venu en personne plaider la cause de son peuple. Devant les délégués de 150 pays, il a accusé Israël de discrimination raciale et a appelé solennellement l'Assemblée à soutenir les Palestiniens. La brutalité et la violence israélienne sont mues par une mentalité de suprématie, une mentalité de discrimination raciale, de transfert de population, de nettoyage et d'imposition quotidienne de colons à notre peuple. Une opinion que les États-Unis rejettent. Ils refusent que cette conférence se transforme en tribunal d'Israël. Pour cette raison, ils n'ont envoyé à Durban qu'une représentation réduite. Entre pro- et anti-israéliens, le secrétaire général de l'ONU tente de calmer la polémique. L'abomination ultime, l'Holocauste, ne doit jamais être oublié ou minimisé. Il est donc compréhensible que beaucoup de Juifs ressentent très mal toute accusation de racisme contre Israël. Pour autant, nous ne pouvons pas attendre que les Palestiniens acceptent cela comme une raison pour ignorer les torts qui leur sont faits. Le Proche-Orient n'est pas le seul dossier sensible au cœur des débats. L'esclavagisme et les réparations opposent le Nord au Sud. Si les pays pauvres sont largement représentés, aucun dirigeant de pays riches ne s'est déplacé à Durban.